Depuis nous avons une crise d'insécurité, ça, il a annoncé plusieurs bagailles pour combattre l'insécurité. Mais je dis, pour combattre l'insécurité, il y a des sanctions sur les gens qui ont financé les gangs. C'est pas ça? Il y a des sanctions? Oui. États-Unis met sanctions. Canada met sanctions. Gangs viennent plus arrogants. Gangs viennent plus puissants. Monsieur le dit, ça veut dire quoi? Et je les fonds. Je les fonds. Je coupe le visa. C'est Zikai. Je sais que nous n'avons pas fait transaction à la banque. Nègre politique comme nègre de secteur privé. Je mets avion en l'air. Je mets des bateaux sous la mer. Situation va améliorer. Mais c'est deux gens, vous n'êtes pas comprendre. Est-ce que sanctions. Il va viser exactement le monde que tu es visé. C'est une question pour nous poser. Si c'est vrai que c'est le monde qui a financé la gang, si c'est vrai que c'est le monde qui a financé, mesdames et messieurs, l'activité criminelle dans le pays, eh bien, il y a sous sanction. Il y a sous sanction. À moins que, mesdames et messieurs, un, c'est pas ta monde qui a ouvert et que il a trompé de cible. Ou bien sanction pas sérieux. Ou bien sanction pas touché mieux de plein fouet. Bon, on dit par exemple. Je te parlais de 5 à. Combien de familles? 11 familles qui ont financé gang dans le pays, qui ont mené des armes à munitions dans le pays. Parce que nous connaissons très clair, un fusil qui bat une balle, son bout de bâton. Eh bien, monsieur continue à alimenter en balle, il continue à alimenter en munitions, et il continue à alimenter en armes. Bon, on dit que la droite a fait un travail sérieux, ZAM va entrer encore, ministre va entrer encore. Mais écoutez, est-ce que ces 11 familles, ils font partie de nous sanctionner? Faut me demander Javonel et Dorsena. Mesdames et messieurs, gros problème là, faut nous poser. Si nous disons des sanctions à monde qui a financé, qui a pas encouragé l'activité gang dans le pays, mesdames et messieurs, il n'est pas normal, je ne veux pas que la vie plus grave. Vital. Mais on va être ça. Sanction n'a pas suffi tout. Parce qu'on a un autre manteau. Sanction n'a pas suffi. Deuxième barrière, ça. Son coup de main, il y a un on coupe de main. C'est-à-dire, les gens qui sanctionné, ils ont dit sanctionné les gens qui ont financé gang. Il faut que l'instance judiciaire à Haïti, ils ont massé lui. Ils sont coupés, mais il y a un et comme si Abed nous vient faire toute bagaille, ils ont sanctionné. Mon gars finance gang. Mon gars finance gang. Yo je le fond. C'est vrai. C'est bien si c'est vrai. C'est mon gars finance gang. C'est possible là. J'en dis. Mais, nous même, faut t'arramasser. Mais, autorité, matin, m'attendez. Et, ministre justice là qui dit, à ta police affaires étrangères, il était écrit, ambassade deux pays, il était écrit deux pays à commander, bah, un dossier. Jusqu'à présent. Imagine, bah, un dossier. Oui. Oui. Gros problème? Gros problème. Parce que pour l'autorité haïtienne, c'est l'autorité haïtienne qui accuse les gens. C'est pas eux qui accusent les gens. Si vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas poursuivre. Pour poursuivre, vous faites un dossier dans les mains. Et qu'est-ce que vous avez dossier? C'est les États-Unis, c'est le Canada. Immédiatement. Hein? Donc, c'est-à-dire que, mesdames et messieurs, gros problème qui pose. Donc, nous avons d'accord avec vous, oui, que le gouvernement Boris n'a pas fait le travail par là. Mais pour faire travail par là, vital, faut cliquer dossier là même. Il pas rien. Donc, est-ce que c'est Yuri vraiment qui a financé la gang? Enfin, Yuri c'est gang ou une drogue? Et les deux. Les deux? Lambert, gang, drogue, tout? Yeah, tout le monde a gang, tout le monde. Ok. Tout le monde a gang, tout le monde a gang. Drogue. Yeah. Mais c'est Yuri avec Lambert seulement qui a gang. Mais c'est les États-Unis en tout. Les États-Unis. Qui est capable d'être plus sérieux. Mesdames, la mort, gang. Seyan, gang. Garibaldo, gang. Roger Célestin, gang corruption. Qu'est-ce encore? Ancien président privé. Ancien président privé, gang. Le Canada. Et Renald Dib, gang. Et Bidjo, gang. Bon, mesdames et messieurs, bon, tout le monde a une sanction. Puis la sanction, c'est une blague, non? Est-ce que je les compte? Vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'a financé gang? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Mais si c'est Moussa qui a financé gang, bon, même le partage les comptes, automatiquement, ils ont mis sur liste, mais c'est pour ta mettre le goût dans du verre.
Mais m'a demandé est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que mesure yo est suffisant? Est-ce que c'est suffisant ou du moins est-ce que Goumaga qui peut faire qui pas faire est-ce que son pression qu'a bail on dans les médias mais cependant ça qu'on fait tu pas fait. Bon, c'est des questions à poser. Est-ce que son bail qu'a fait pour la galerie? Oui. Mais on a bagarre tout ça. Par contre, se songer ça. Quelques semaines après décision ça yo. Mais je te suspendre, font suspendre cas c'est que nous pas nous. Par contre, se songer ça. Après sanction ça yo. Notamment sanction États-Unis yo. Après il y a une pour sanction ça yo. Une semaine, deux semaines, trois semaines ou mois même. Nous j'ai monsieur te font suspendre dans cas c'est que nous pas la population. Par contre, ça vient passer. Par contre, si on a fait pour la galerie, comme c'est une manette là dans mes yo, nous mettre contrôle là dans mes yo. Par contre, si on dit y a fait ça et puis yo vide un petit de l'eau. Yo a fait du bail là. Parce que bail pas clair. Asan, what ça me dit là? C'est pas quoi qui fait gros débat dans tout média oui. Son gros débat oui ou lancer la matière. Ça qui passé. Nous prend toute sanction ça yo et puis bail a continuer. Non, gros problème. Gros problème pas dit nous. Gros problème. Gros problème pas dit nous. Parce que moi-même, moi t'attends depuis qu'est-ce qui s'est passé? Population haïtienne elle même qui ça besoin. Les populations haïtiennes entendent des sanctions. Ils applaudissent. Tout le monde bat bravo, la contentement. Ah, monsieur, nous aussi, bon souffle. Je dis, ah, monsieur, sanction de Négio, vrai, monsieur. Et puis, bon, vu que je suis sanction de Négio, c'est plus par la vie de bien réagir. C'est pas mal politique à régler là. Bon, c'est pas sur la question à poser. Mais ça, Assad, c'est plus simplement mal politique que toute bagaille. Parce que je ne comprends pas. Comment, pour toutes sanctions, ça va pour mesdames et messieurs, Guinée là en Haïti même contre gelé, le gelé contre au Canada, aux États-Unis on cherche un problème bon, malgré ça. Bah la continue pire red mesdames et messieurs. Même quoi qu'un débat pour être capable de conclure de ça. C'est soit c'est pas vrai cible de toucher ou bien c'est une blague. C'est une blague. Ou bien c'est pour la galerie, j'en dis là. Parce que pas normal pour tout le monde sanctionner pour question gang. Et puis, quand nous venons plus puissants, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut poser des questions sur ça. Et je connais que des gens qui vraiment avisés, qui comprennent la question que nous faisons maintenant là. Comment sanction ne fait pas un effet sur l'activité gang nous venons plus solide, nous venons plus mine, nous venons plus arrogant, nous venons plus de monde. Ça veut dire que les sanctions n'ont pas aucun effet sur l'activité gang. Je vais conclure maintenant. Je vais conclure pour me dire que sanctions n'ont pas aucun effet sur l'activité gang dans le pays. Aucun effet.